Eh bien salut les amis, c'est Kirbano et on se retrouve aujourd'hui pour le début du jeu Hey Pikmin sur Nintendo 3DS. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà tourné cet épisode mais il n'y avait pas le son, je sais pas pourquoi, donc je recommence du début. Donc on va tout simplement effacer ma partie. Ça va, hein, j'avais fait qu'un seul épisode, donc on va recommencer. Comme ça en plus j'irai vite parce que c'est bien en plus que j'aille vite parce que en plus les premiers niveaux c'est des niveaux qui sont très simples et qu'on a déjà fait en fait. Enfin surtout le premier on l'a déjà fait dans la démo. Donc je vais pas vous le passer, mais on va quand même le refaire ensemble assez rapidement, enfin au plus vite qu'on peut, qu'on puisse. Et donc, normalement c'est le début d'une série, je sais pas combien d'épisodes il y aura, mais un vaisseau glisse sans bruit dans l'immensité de l'espace. C'est le Dolphin 2. Pourquoi Dolphin? Oh, je vous parlerai de toutes ces petites anecdotes, je l'ai peut-être déjà dit dans la démo, mais j'en reparlerai. Et son pilote, le capitaine Olimar. Celui-ci s'en retourne chez lui sur la planète Okotat, après avoir fini une livraison. Téléportation dans 5, 4, 3, 2, 1, bim. C'est bon, là, il est parti à la vitesse de la lumière. Olimar était impatient de revoir sa petite famille. Mais le destin en avait décidé autrement. Voilà, c'est ce qu'on voit. Il se rendit compte qu'il y avait un gros problème. Où donc s'était-il téléporté? Pas près d'Okotat, pour sûr. Olimar tenta de manœuvrer pour sauver sa peau. Mais voilà. Mais son vaisseau ne répondait plus. Un astéroïde l'avait endommagé. Le vaisseau alla s'écraser à la surface d'une planète inconnue. Normalement, il va sur Terre, mais là, je pense pas que c'est la Terre, vu que il a déjà rencontré des Pikmin, et il va dire d'ailleurs plus tard qu'il y a des Pikmin aussi ici. Donc non, ça doit pas être la Terre, mais ça y ressemble en tout cas beaucoup, hein. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas vraiment de cohérence au jeu, c'est un petit peu un hors-série, quoi, on va dire, par rapport aux 4 Pikmin. Il n'y a pas vraiment de cohérence à avoir, j'ai l'impression. Alors, wow. Les pauvres Pikmin, ça doit leur faire peur, là. Ah bah oui, en effet, hein. Déjà qu'ils se font tuer par le vent, l'eau, tout pour les tuer. Alors ça, à mon avis, ça doit leur faire très mal. Hein. Il suffit qu'on leur fasse une petite pichenette et ils meurent, les Pikmin, donc les pauvres. Capitaine! Capitaine Olimar! Non, ne t'en fais pas, il n'est pas mort. Normalement. Il se réveille. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires, j'ai changé la disposition de la caméra et de la 3DS par rapport à la démo, parce que vous aviez été beaucoup dans les commentaires à me dire de le changer. Et donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires justement si ça vous plaît ou pas, si vous voulez que je change. Et laissez un pouce bleu si ça vous plaît d'ailleurs. Tout va bien, capitaine? Parce que ça me paraît plus naturel en fait, c'est la façon dont moi je joue en fait. Il est vivant! Oh, je suis soulagé! Ne vous inquiétez pas pour moi, capitaine, je vais parfaitement bien. Donc ça, c'est le Dolphin 2. Enfin, c'est l'unité centrale du Dolphin 2. On a déjà vu ça dans la démo, mais bon, je vais pas le passer pour les gens qui ont pas vu l'épisode de la démo. Donc c'est un jeu 3DS hein, qui est sorti ou qui va sortir, oui. Ouais, il va sortir, là, le 28 juillet. Bon état confirmé. Retrouvons nos esprits et continuons notre voyage. À condition que le vaisseau puisse toujours voler, bien sûr. Mais malheureusement, tout ne va pas se passer comme prévu, hein. Capitaine Olimar, asseyez-vous un instant. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ouais, malheureusement. C'est à propos de notre carburant, le lumium. Le niveau est passé de beaucoup à rien. Sans lumium, le seul élément du vaisseau qui fonctionne est le siège du pilote. C'est navrant à dire, capitaine, mais nous ne pouvons rien faire d'autre que d'attendre les secours. Mais non, mais non. À moins que... À moins que... Mais oui. Oui, oui, c'est ça! C'est exactement ce dont nous avons besoin! Capitaine, je capte de faibles signaux qui proviennent des alentours. Suivez-moi! Eh bien, on va y aller. Allez, c'est parti! Alors, on aura besoin du stylet, par contre, hein, pour jouer. Alors, je voulais vous dire, oui, mais je vais pas commencer à vous en parler maintenant, parce que là, on va être interrompu par les dialogues, mais je vous en parlerai. Par contre, le jeu est beau, ça je trouve ça très beau, quand même. Tout est peint, c'est super beau. Est-ce que, on dirait... On dirait des Pikmin, eh oui. Hein? Les Pikmin, comment ils font pour savoir qu'on est gentil? C'est comme ils sont attaqués partout, ils devraient avoir peur de nous, quand même. Eh bien, nous, ils nous font confiance, tant mieux. Oups, nous lui avons fait peur, essayons de trouver sa cachette. Oui, il a peur, mais bon, il va rejoindre ses copains, puis après, il nous dira bonjour, donc... Et il nous aidera, d'ailleurs, au péril de sa vie, quand même, hein, il faut le dire. Ah, il se cache dans les herbes. D'après ce que vous m'avez dit, les Pikmin réagissent au son du sifflet. Essayez donc de le faire sortir avec un coup de sifflet. Mais d'ailleurs, maintenant que Olimar a découvert les Pikmin, est-ce qu'ils ont ramené des Pikmin sur la planète d'Olimar pour les mettre dans des eaux? Ce serait terrible, hein, pour les manger. Intéressant, il n'était pas seul.
Quelle chance de rencontrer des Pikmin ici, n'est-ce pas, capitaine? Allez, venez ici. Ils ont réagi à votre sifflet. C'est intéressant, les Pikmin ont le même comportement d'une planète à l'autre. Au fait, vous aviez raison, ils ressemblent vraiment à des carottes Pic-Pic. Oui, à chaque fois qu'ils voient des Pikmin, ils pensent aux carottes, donc ils ont peut-être envie de les manger. Hein. Oh, avec toute cette animation, j'en ai presque oublié notre problème de Lumium. D'ailleurs, on n'a jamais vu à quoi ça ressemblait des carottes Pic-Pic. Le signal provient de là-devant. Allons-y. Allez, vas-y Pikmin. Olimar. Et normalement, on peut balancer. Ah, pas encore, bientôt. Ce sont ces graines que mes capteurs ont détectées. Mais elles sont tout en haut, et vous êtes tout en bas. Mais c'est rien, c'est rien. Mais peut-être que l'équipe Pikmin peuvent vous aider. Capitaine, touchez les graines pour faire comprendre aux Pikmin que vous les voulez. Enfin, surtout pour jeter les Pikmin en fait. Et voilà, on récupère 4 Lumium. Mon analyse était correcte. Nous pouvons récolter du Lumium à partir de ces graines. Et maintenant, la mauvaise nouvelle. Une graine contient un Lumium. D'après mes calculs, nous avons besoin de... Je retiens 5, j'ajoute la racine cubique. 30 000 Lumium. Ouais, ça va être long. Mais on y arrivera, vous en faites pas. Mais pas de soucis, il y a encore beaucoup de Lumium disponible. Les Pikmin et moi sommes là pour vous aider à récupérer le reste. Nous atteindrons 30 000 Lumium en 2 temps 3 mouvements. Mais les Lumium, on dirait des glands. On dirait des glands dorés, en fait. Je sais pas si vous aussi, vous avez cette impression, mais... Moi, je le pense du plus profond de mon âme. Et donc là, c'est la fin du niveau. Déjà. Donc on s'en va. Bien joué, capitaine. Venez vous reposer pendant que je recherche notre prochaine destination. Allez. Et on remonte. Et donc là, normalement, on va avoir un rapport, non? À la fin du niveau, dans Pikmin, ils font des rapports, normalement. Je crois. Enfin, je me souviens plus. Ah, voilà, si. J'ai détecté une importante quantité de Lumium. Allons la récupérer. Ah oui, on a découvert l'endroit du premier niveau, c'est ça? Secteur 1. Allons-y. Mais c'est pas la Terre. Enfin, je sais que c'est pas la même disposition, mais c'est pas la Terre il y a longtemps ou dans longtemps. Bon, j'en sais rien. Allez, allons au secteur 1. C'est parti. Je sais pas sur quelle planète on est. Sur une planète qu'ils ont dû inventer, je pense. Donc, zone A. Avec le niveau 1A, c'est parti. J'espère qu'ils vont un petit peu moins nous parler quand même, parce que le vaisseau, il parle beaucoup, et c'est pour ça que je peux pas vous expliquer. Il y a deux trucs que je dois vous expliquer, là. J'ai déjà oublié l'un des deux. Non, j'ai pas oublié. C'est en rapport avec les yokai, donc ça va vous plaire. Sachez déjà que le Dolphin... Pourquoi le vaisseau s'appelle le Dolphin? Parce que le premier jeu Pikmin est sorti sur GameCube. Et à l'époque, la GameCube, avant qu'elle s'appelle GameCube, elle avait un nom de production. Et son nom de production, c'était la Dolphin, c'est-à-dire Dauphin. Et donc voilà. C'est pour ça que l'île dans Super Mario Sunshine a une forme de dauphin et que le vaisseau de Pikmin s'appelle le Dolphin. Voilà, petite anecdote. Alors là, je peux vous parler, ça va. Donc en fait, vous savez que Olimar, il rentrera jamais chez lui. Ah oui, Olimar ne rentrera jamais chez lui normalement parce qu'il a une malédiction. Et cette malédiction lui vient d'un yokai. En fait, Olimar, il a été... Bon, c'est une rumeur, ça a jamais été confirmé. Enfin, c'est une théorie, mais il y a quand même de grandes chances que ce soit vrai. Mais en fait, Olimar, il a été envoûté par un yokai. Je sais plus quel est son nom, mais c'est un yokai qui attaque les marins, en fait, et qui les empêche pour toujours de revenir chez eux. Et donc, il s'échouera pour toujours, et en boucle, c'est son destin. C'est un peu triste, mais voilà, c'est ça. Je sais pas quel nom de ce yokai, je vais aller voir tout de suite. Alors les amis, en fait c'est un yokai qui s'appelle le Umibozu, qui est un yokai réel, enfin non, un yokai ça n'existe pas, hein, ce sont des fantômes, mais auxquels les japonais croyaient, enfin c'est des légendes japonaises, et en fait c'est un yokai qui attaque les bateaux, en fait, d'ailleurs il a pas de forme, enfin il ressemble un peu à une forme humanoïde, mais il est, il a pas de vraie forme, et d'ailleurs c'est exactement comme ça qu'est le boss final de Pikmin 3, hein, sacrée coïncidence, et en fait ce qu'il fait... C'est que quand les bateaux passent près de lui, et il les détruit et les fait s'échouer en fait. Et donc en gros on pense, c'est une théorie, il y a beaucoup d'éléments qui le font penser, mais bon ça a jamais été confirmé par Nintendo, mais que Olimar dans Pikmin, il a été en fait, il est maudit par un Umibozu, parce que bon, il va pas sur les mers, hein, mais bon. Son vaisseau spatial, c'est un vaisseau quand même. Et donc, en fait, l'Umibozu, c'est pour ça qu'en fait, dans chaque jeu Pikmin, Olimar, il a pas de chance, et son vaisseau s'échoue sur une planète. D'ailleurs, quasiment souvent la même planète. En tout cas, dans Pikmin 1, 2, 3, c'est la même planète. Et donc, en fait, c'est parce que, justement, l'Umibozu arrive et détruit son vaisseau et le fait s'échouer. Et donc, c'est une théorie, mais c'est très intéressant, moi, je trouve, parce que c'est très plausible. En tout cas, nous, on va continuer le jeu. Soyez prudent, capitaine. L'une des créatures indigènes de cette planète est tout près et semble affamée. Lancez des Pikmin sur elle pour l'arrêter avant qu'elle ne se rapproche de trop. On dirait un pain de mie. Ce truc-là, pour moi, ça ressemble à un pain de mie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non, ok. Pour moi, ça ressemble exactement à un pain de mie, le truc.
Je sais pas si c'est que dans ma tête, mais bon, attendez, là, normalement, il nous renvoie des gens, non? Enfin, il nous renvoie des Pikmin, non? Ouais, c'est bon, il y a des Pikmin qui arrivent, donc... Ouais, c'est vrai que faut attendre un petit peu, ok. Allez, allez! Allez, allez! Je sais pas si je vais y arriver, mais... Il me les faut tous! C'est bon, ok. Bon, alors maintenant, on peut faire demi-tour, et on peut aller s'occuper de ça, parce que ça, c'est comme les blocs avec plein de pièces dans Mario. Faut les taper sans arrêt pour en avoir plein. Donc, allez. C'est bon. J'ai récupéré plein de lumium, normalement. J'en ai déjà 18, c'est pas mal, hein. Alors ça, oui, on sait. Faut envoyer des Pikmin. Il y en a besoin que de 3. À chaque fois, mais même dans la version Wii U, hein, j'envoie trop de Pikmin. C'est ma malédiction, ça. Et donc, on a récupéré 100 lumium avec une boucle du commencement. C'est une bague, hein, c'est une bague. Attendez un instant, capitaine. Cet objet contenait 100 lumium. Nous devrions continuer à chercher ce genre de trésor. Eh bien oui, on continuera, t'en fais pas. Alors, donc ça, on va récupérer ça. Ah oui, c'est vrai que là-haut, il y a des Pikmin, donc on va leur demander aussi de récupérer des trucs. C'est bon, là, il y en a assez ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, j'en envoie plus, on sait jamais. Là, c'est bon, tout le monde y arrive? Ouais, c'est bon. Il y a assez de Pikmin, il y en avait même un de trop. Ok, tranquille. On peut pas tomber dans le vide, j'ai l'impression. Enfin, je veux pas essayer, mais je crois qu'on peut pas tomber. Ah, on doit pouvoir tomber, en fait, quand on se met à voler. Ouais, je pense que quand on utilise le jetpack, on doit pouvoir tomber... Par erreur, bien sûr, mais bon, on tombe quand même, hein. Allez, venez ici, les Pikmin, ils sont tellement mignons, les Pikmin. Par contre, il y a un gros méchant là-bas. Faites attention, hein. Mais parce que là, ils sont au point de se faire manger, je sais pas comment la créature a fait pour s'endormir ici, alors qu'il y avait deux Pikmin devant. Enfin, peut-être qu'elle avait déjà mangé 15 Pikmin et qu'elle avait plus faim. C'est possible aussi. C'est terrible, la nature, quand même, hein. C'est terrible. J'aimerais pas être un insecte ou un petit animal. Tu dois avoir peur de te faire manger par tout. Allez. Super! Sans perdre aucun Pikmin, c'était ce qu'il fallait. Ah oui, donc c'est là qu'on va apprendre le jetpack. Vous voyez ce trou là? Je pense que vous pouvez l'atteindre avec votre propulseur. Mais les Pikmin ne pourront pas vous suivre, gardez cela à l'esprit. Je sais, je sais. J'oublie tout le temps que j'ai le propulseur après, enfin, on va voir, mais... donc là, oui, parce que même dans la démo, je me souviens que j'avais tellement oublié que j'avais le propulseur que j'avais galéré rien que pour avoir le yo-yo, alors que genre, il est évident, quoi, le yo-yo. Voilà, 100 lumium avec un hypnopendulum. C'est un yo-yo, hein. Arrêtez d'appeler les trucs comme il ne faut pas, c'est un yo-yo. Tout bêtement. Allez, venez ici, mes Pikmin. C'est bon, tout le monde est là? On n'avait pas 16? Non, 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 ils seraient pas partis tout seuls. Ils se seraient pas fait manger pendant que j'étais pas là, quand même. Allez, attendez. Vas-y, tue-le d'abord, puis ensuite, nous, on va s'occuper de sauver les Pikmin qui sont là. Ok, venez ici. Et il en reste. Bah, ça sert à rien d'avoir trop de Pikmin, mais bon, ça peut toujours être utile. Je sais pas s'il y a moyen de garder les Pikmin d'un niveau à l'autre. Si, hier, je me souviens, bah oui, parce que j'ai déjà fait cet épisode. À chaque fois, je pose des questions, mais j'ai déjà la réponse, vu que moi, j'ai déjà fait l'épisode. Mais oui, il y a moyen. C'est juste qu'au début, on peut pas, et après, je sais plus quand on peut. Mais ça va venir. Allez. C'est bon, on a plein de lumium, là. Ça fait plaisir. Bon, ça va être long d'en avoir suffisamment, mais c'est quand même bien. On avance à un bon rythme. C'est vraiment des pains de mie. Le monstre que je viens de tuer, là, c'est vraiment un pain de mie. Allez, vous venez ici? Ouh. Et voilà. Ouh. 400. Un sculpteur devant, c'est une puce. Hein, c'est une puce d'ordinateur. Oh. Allez. C'est vrai qu'en l'attaquant par derrière, c'est d'un coup plus facile. C'est pas très correct, mais c'est d'un coup plus facile. C'est bon? Voilà, on l'a. Allez, là, normalement, il y en a un autre qui revient, non? Ouais. Parce que ce niveau, c'est le niveau de la démo, hein. Je vous l'ai pas dit, mais oui, c'est le niveau de la démo. Et venez ici. On va essayer de le ravoir. Allez. C'est bon, personne n'est mort. En plus, il redonne du lumium, donc si je reste ici à l'infini, je peux avoir du lumium à l'infini. Ouais, bon, d'ici en avoir 30 000, à mon avis, va falloir rester très 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 longtemps dans le niveau, hein. C'est pas la peine, je pense qu'il vaut mieux finir le jeu, quoi. Capitaine, il ne fait aucun doute que c'est très dangereux par ici, avec tous ces prédateurs qui rôdent. Nous devrions emmener les Pikmin dans un endroit sûr. Eh bien, emmène les Pikmin dans un endroit sûr, vas-y. Donc voilà, c'est là qu'on emmène les Pikmin pour la première fois. Oui, parce que le niveau qu'on a fait avant, c'était pas vraiment un niveau, en fait, c'était un tuto, quoi. Donc on a récupéré tous les trésors et tous les Pikmin, d'ailleurs, on n'a perdu aucun. Je dis ça comme si j'en étais fier, parce que oui, la première fois que j'ai fait niveau, j'en avais perdu à cause des pains de mie. Enfin, je sais plus, mais... d'ailleurs, ils ont un nom, les pains de mie? J'en sais rien. Je sais pas si les monstres dans Pikmin, ils ont un nom. Alors,
Graines de lumium, 100... Et donc, on en est où, là? Attendez. On a 635, 646, ouais. On est loin de tout avoir, mais bon. C'est pas mal, ça avance. Vous avez ramené tous les Pikmin au parc sans en perdre aucun. Donc, ça donne un bonus, même pas. Bravo, capitaine! Les Pikmin semblent heureux dans le parc. Allons les voir! Eh bien, allons les voir. Donc, parc Pikmin. Je sais pas pourquoi il veut que je clique sur journal. Moi, je voulais aller au parc. Donc, voilà, ça, c'est cool. C'est un nouveau truc, le parc. Vous allez voir ça. Les Pikmin semblent très heureux d'être dans un endroit sûr. Je suis fier de vous, capitaine. Et maintenant que j'y pense, quand j'ai exploré cette zone en éclaireur, j'ai détecté un peu de lumium. Mais il y avait juste un problème. Et le problème est qu'il y a des herbes. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça, non? On dirait. Mais du temps à parler le vaisseau, hein. Je n'arrivais pas à déceler exactement où il se trouvait. Ah, c'est ça, d'accord. Mais j'ai une idée à ce propos. Les Pikmin que nous avons emmenés au parc peuvent nous aider. Ce ne sera pas un souci pour eux. Ils explorent déjà la zone de toute manière. Touchez d'abord l'icône Pikmin. Ok. Puis, touchez... Ah bah, j'ai... D'accord, ok. J'ai fait. Sans faire exprès, mais je l'ai fait. Et voilà, les Pikmin vont rechercher du lumium dans les herbes. Donc, un moyen encore d'avoir plus de lumium que prévu. Oh bah, pauvre Pikmin, il est tombé. L'autre l'a aidé ou quoi? Je sais pas, j'ai l'impression. Les Pikmin ont commencé à nettoyer la zone pour trouver du lumium. Espérons que leur recherche soit fructueuse. En attendant, capitaine, retournons à notre base. Et comment... Ok, il nous y ramène tout seul. Capitaine Olimar, j'ai une bonne nouvelle pour une fois. Nous n'avons certes pas suffisamment de lumium, mais le vaisseau est indemne, ou presque. Vous avez peut-être remarqué que le système d'enregistrement fonctionne de nouveau. Consultez-le lorsque vous voulez des informations sur les Pikmin rencontrés et les trésors collectés. Au fur et à mesure que nous récoltons du lumium, d'autres fonctions devraient également se rétablir. Je pourrais commencer à y travailler à partir de 2000 lumium. Bonne chance, capitaine. Ok. Bah, on verra ça quand on aura 2000 lumium. On les aura pas dans cette vidéo, par contre. Ah, ah, ah. Capitaine, les Pikmin ont trouvé quelque chose. Allons voir de quoi il s'agit. Oui, bah, j'ai déjà touché, c'est bon. Oh, une bague. Capitaine, les Pikmin ont trouvé un trésor. J'ai presque fini de l'analyser. Nous pouvons en tirer 400 lumium en plus. Pas mal. Eh, donc comme ça, on va avoir 1000 lumium. Stylé. Il reste encore du lumium dans le parc. C'est à vous d'indiquer aux Pikmin où chercher, capitaine. Bah là, j'ai pas trop le choix, mais bon. Toucher l'icône Pikmin et ensuite on touche la zone. Oui, j'ai pas énormément de choix, en fait. Il y a d'autres zones, on le voit sur la map. Mais en tout cas, pour le moment, je peux pas y aller, quoi. Puis en plus, ça se voit, la zone qui est en glace, là, à mon avis, faudra emmener les gros Pikmin. La zone de feu, faudra emmener les rouges. La zone de marécage, faudra emmener les bleus. La zone violette, je sais pas ce que c'est, mais c'est peut-être la zone électrique. On n'a pas les Pikmin volants dans ce jeu? Peut-être pas, par contre. Trouver le lumium restant ne sera pas aisé et risque de prendre du temps. Laissons les Pikmin s'en charger et partons en exploration. D'ailleurs, je sais pas s'il va y avoir aussi les Pikmin blancs. Et violets, d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Ils étaient pas dans Pikmin 3, non? Je ne sais plus. Là, on a tout eu. C'est cool. Puis en plus, on a eu tous les Pikmin. Donc, on a un petit Pikmin doré. On a fini à 100% le premier niveau. Et donc là, n'hésitez pas à explorer tous les chemins qui s'ouvrent à vous. Vous pourriez faire de belles trouvailles. Eh ben écoutez les amis, alors on va aller voir le journal. Ok, puis après on va aller en bas. Je sais pas ce qu'il y a sur le journal. Type de Pikmin et objet, oui d'accord. Non, c'est juste une encyclopédie, c'est vrai, c'est ce qu'il venait de nous dire. Donc on s'en moque un peu, par contre il n'y avait pas d'ennemis. Alors que pourtant on a déjà battu des persos, mais je sais pas pourquoi. Bon, zone secrète. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus si c'est un niveau ou juste une salle bonus. Je sais, je l'ai fait, mais je ne m'en souviens plus. Ah oui, si, je m'en souviens. Ok, d'accord. Ok, je m'en souviens très bien. Il y a quelque chose de précieux là-haut, mais je ne vois pas comment vous pourriez le récupérer. Je suis sûr que vous allez trouver un moyen. Prenez votre temps pour y réfléchir. Non mais c'est bon, c'est pas compliqué, hein. Go, go, go! Allez. Allons-y, déjà, il y a les Pikmin ici, ça c'est cool. Ah, il faut qu'ils viennent à moi, là. Eh, mais attendez, comment ils vont me rejoindre? Ah, je sais. Alors, déjà, vous prenez ça. Maintenant, on vole. Et là, on va récupérer les Pikmin ici. Et on va les envoyer. C'est bon. Là, il y a assez de monde. C'est bon, Limar. On y va. Et là, on a une capsule 8. Normalement, je crois que ça donne 8 Pikmin, ce truc. Il me semble, hein, je sais plus exactement, mais je crois. Est-ce ce à quoi je pense? Cela ressemble bien à un palais. Si vous le ramenez à l'oignon, vous pourrez créer plus de Pikmin. Qu'en dites-vous, capitaine? Quelques Pikmin de plus seront toujours les bienvenus dans le parc. Eh bien oui, donc c'est exactement ça, les amis. C'est ce que je vous disais. Donc, palais obtenu! Palais rouge, oui. Il y a 8 Pikmin de plus dans le parc. Bah, on va aller dans le parc alors. Surtout que ça compte pas par contre les 1000 Pikmin qu'on vient d'avoir là.
enfin les, non, les 4 Pikmin qu'on vient d'avoir, 1000 Pikmin, genre, je suis fou, on vient de récupérer 1000 Pikmin, non. Mais on a récupéré 4 en fait dans le niveau, parce qu'il y a le palais du 8, mais il y a eu les 4 en plus. Non, apparemment ça compte pas. Bon, allez, on va dans la grotte du désarroi. Les grottes, c'est pas rassurant normalement dans Pikmin, mais là, dans ce Pikmin, c'est pas grave. Parce que normalement, c'est des endroits obscurs et il y a beaucoup d'ennemis. Parce que dans Pikmin, les ennemis sont là où il fait sombre. Mais là, ça va. Dans ce Pikmin, elles ont de grottes que de nom, en fait. Puis l'apparence, mais sinon, elles sont pas aussi dangereuses que les grottes dans Pikmin 1, 2, 3. Y a pas de grotte dans Pikmin 3. Non, y a pas de grotte dans Pikmin 3. Y en a dans le 1, d'ailleurs. Je me demande. Je sais plus. Et voilà, les Pikmin jaunes. Les Pikmin jaunes ont des oreilles, les Pikmin rouges ont des nez, les Pikmin bleus ont une bouche, je sais plus. Capitaine, nous avons trouvé des Pikmin jaunes. Savez-vous qu'ils ne craignent pas l'électricité? Leur autre qualité est qu'ils sont très légers. Ces Pikmin jaunes sont parfaits pour atteindre les hauteurs. Très bien, comme ça on a deux nouveaux types de Pikmin, c'est cool. On va pouvoir les emmener au parc après. Donc là ouais, comme ça, ça nous permet d'avoir ces trucs là. Bon, qu'est-ce qu'ils font? Pourtant je touche. Eh mais je touchais à l'extrémité de l'écran en fait, donc c'est plus tactile là-haut. Allez, on descend. Oh, un pain. Non. Ok, d'accord, c'est bon. Je sais pas trop comment les tuer, parce que si j'envoie sur la bouche, ils meurent mes Pikmin, non? Je sais plus. C'est terrible, c'est méchant ça! Mais ils sont trop mignons les Pikmin, j'adore ça. Laissez un pouce bleu si vous trouvez que les Pikmin sont mignons. Je trouve que c'est trop mignon comme petite créature. J'aimerais trop que ça existe en vrai. Bon, après ce serait tout petit comme ça, mais bon, c'est trop mignon quand même. Là, il y a un truc ou pas? Non, il y a personne dedans. On peut le tuer là ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, on l'a tué. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Ok, l'autre il partait à l'autre bout, il allait se faire tuer par je ne sais quoi. On peut toujours avoir là-haut? C'est pas trop haut. Non, c'est bon, allez. Enfin, avec... ouais, si, avec 8 Pikmin, c'était suffisant. C'est juste que j'ai pas fait un très bon score. Qu'est-ce qu'on a par ici? Encore des ennemis. Non! Ok, j'ai cru qu'il était tombé sur le truc violet, mais non, c'est bon. Allez, petite attaque rodéo. C'est ma manie, moi, j'envoie toujours trop de Pikmin. Hein. Vous l'avez revu, là. C'est pas grave, c'est rien. Là, il y a encore des Pikmin ou pas? Non, il y a rien. Pourquoi ils mettent des petits trucs comme ça s'il y a pas de Pikmin dedans? Allez! Oui! Oh, le pauvre, il a des Pikmin qui sont accrochés sur lui, ça doit faire mal. Allez, demi-tour. C'est bon. Ça fait des bruits de poule, ce truc. Non! Il m'a attaqué. Bon, il a pas remarqué que j'étais là, donc il m'a pas vraiment attaqué, en fait. Il m'a fait mal, mais il a pas fait exprès. Tant mieux pour moi. Attendez, là, il y a un pain de mie, mais je vais le laisser là-bas. Moi, je vais m'occuper de ça. Comment on fait, là? Et le pain de mie, il vient vers nous ou pas? Ouais, d'accord, donc on va quand même tuer le pain de mie pour commencer. Parce que il me fait un peu peur. Comment on fait là-haut? C'est bon, on peut y aller quand même. Ok, ouf. Donc ça, c'est une bague avec un rubis. Je sais pas comment ils vont l'appeler, mais c'est une bague avec un rubis. Hein. Allez. Voyons voir. C'est un lot de consolation. Oh, moi, si je perds un concours et qu'on me donne ça en lot de consolation, je me plains pas du tout. Ça, je vais pas du tout pleurer parce que ça vaut ultra cher. Donc, non, moi, je veux bien. Je veux bien. Mais bon, après, ça donne que 100 lumium, donc c'est pour ça qu'il est pas ultra content, c'est ça? Alors là, ouais, faut aller... C'est bon? Non, ils veulent pas y aller. Faut que je les envoie plus. Voilà, c'est bon. Okay, venez ici. Mes Pikmin, ils vont se faire tuer, non? Allez, surtout qu'il y a rien ici. Donc, non, on va aller les voir. Il y a rien ici. Je pensais qu'il y avait un truc, mais non. Bon, ça va, il y a pas d'ennemis, mais... Oh, c'est mignon, il s'éclaire quand... Quand on est là. Bon, on va aller voir par là. Parce que là, il y a un passage. Oh, une boîte à sardines, c'est ça? Non, de la pâté pour chat, peut-être. Ah non, une boîte de thon. Aquarium cuirassé. Oui, c'est à peu près ça. Sauf que dans l'aquarium, les poissons sont morts dedans, par contre. Hein. Allez, un Pikmin en plus. Ah, bah c'était l'un des Pikmin que j'avais perdu, ok. Je croyais que c'était un Pikmin en plus. Là, il n'y en a pas. Non, ah là, il y a un passage, par contre. Ouais, c'était sûr. Allez, vas-y, ramassez là-haut. C'est bon. C'est pas toujours facile de tirer en hauteur, en fait. Parce que c'est proportionnel par rapport à l'endroit où on a jeté et pas directement l'endroit dont on a jeté. Donc c'est un peu... Non! Non, il est mort. Il s'est fait tuer en retombant. Bon, bah j'aurais pas le parfait des Pikmin. C'est pas grave. Si c'est juste ça, tant pis. Dommage. J'aurais dû passer, en fait, peut-être sans essayer de les tuer.
Ça aurait pas été simple, mais là, ça aurait peut-être été le mieux. C'est un peu dommage, parce que ça veut dire que pour faire le 100% du jeu, je devrais recommencer. Ouais, mais à mon avis, ça va pas être le seul niveau que je vais devoir recommencer. Hein. Ça m'étonnerait quand même. Allez, venez ici. Super. Donc là, il faut avoir les trucs qu'il y a ici. C'est bon, vous les avez là? Il y a assez de gens? Ouais, il y a assez de gens. Et là-haut, comment on va faire? Ah, va falloir attendre qu'ils commencent à construire le pont, je pense. Puis après, on va pouvoir y aller. C'est bon? Ok. Alors, il y en a combien là? Bah. Ah, voilà, ok, d'accord. Mais des fois, ils buguent un petit peu les Pikmin. Par contre, ils tombent de haut et ça les blesse pas. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux pour eux. Mais bon. Mais c'est bon, on a récupéré nos 15 Pikmin, non? Ouais, c'est bon, on les a. Qu'y a-t-il ici? Le dernier objet? Eh ben oui, un stylo. Et pas d'ennemis d'ailleurs. Tant mieux. Eh, mais là, en fait, il faut beaucoup de Pikmin. Ouais, enfin, beaucoup de Pikmin. J'en avais 5 de trop, donc. C'est difficile quand même. Enfin, arriver ici avec 10 Pikmin, enfin, moins de 10 Pikmin, c'est possible, hein, mais bon. Missile encreur, c'est un crayon, enfin, c'est un stylo. Et c'est pas un crayon, c'est un stylo. Bon, pour eux, c'est un missile encreur, bah oui, parce que on peut le balancer, enfin, c'est difficile de l'envoyer, mais bon. Si vous voulez. Là, y a... Ah, qu'est-ce qu'ils font, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est mort? Ah non, il n'est pas mort. Mais il y a un truc méchant dedans. Ah oui, il y a un pain de mie aussi. Un pain de mie aux yeux bleus, d'accord, d'ailleurs. Mais attendez, il a que deux pattes, le pain de mie? Oh, on dirait qu'il a que deux pattes, hein. Ok, d'accord. Donc il va où, là, le pain de mie? Ah, il est là-bas. Allez, on le tue. Bye. Ah, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Attendez. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus de pain de mie, là? Non, il n'y a plus de pain de mie. Mais, donc c'est pas un objet qu'on peut ramasser, le truc, là-haut, d'accord. J'aurais cru. Il y a un truc de ce côté-là. Ouh là 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 là. Non, il est mort, ok. Bon, c'est pas grave, de toute façon, comme j'en ai déjà perdu un, ça ne change plus rien. C'est bon. J'avais tiré trop haut au début, ça me... Mais attendez, là maintenant, faut aller où? C'est la fin ou pas, ça? Je sais pas si c'est une zone bonus ou la fin à chaque fois. Ah, parce que là, si je tombe, je peux plus remonter. Ouais, on va faire demi-tour. C'est ça que j'aime pas. Dans Kirby, dans Mario, tu sais toujours si la porte que tu vas prendre, ça se voit, si la porte que tu vas prendre c'est un chemin auxiliaire ou si c'est la fin. Là, tu ne le sais pas. C'est... Ah oui. Bah écoutez, on va aller là. On va aller là, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. Ah, ça m'a l'air d'être un passage secret, ça, quand même, parce que avoir suffisamment de Pikmin pour l'ouvrir, c'est pas assuré, quand même. Ah ouais, parce que là, j'en avais que deux de trop. Ah, c'est un passage secret, forcément, mais... Ah, c'est pour débloquer un niveau annexe, ça doit être ça, oui. J'ai détecté du lumium dans une zone cachée. Allons voir ce qu'il en est. Ah bah voilà, je viens de débloquer une zone cachée. Donc après, je pourrais effectivement refaire ce niveau pour déjà perdre aucun Pikmin et pour aller dans la zone normale, dans la fin normale, d'accord. Et je devrais bien, je pense. Ouais, je pense que je serai obligé parce que le niveau annexe, il va pas m'emmener à la suite. Enfin, on va voir comment se déroule la carte. On va voir ça, là, en rentrant. Il va faire un rapport, d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il continue à en faire des rapports. Bah si, c'est bon. Graines de lumium, d'accord, on a récupéré du lumium, c'est cool. On a 700 de plus, 763. Bon, 1809, c'est très bien. Voilà. Et donc, ok, bah suivant, on va retourner à la carte. On va voir ça là-bas. Et alors? Ok, voyons voir, on a tous les objets, ça c'est cool. Pas tous les Pikmin, mais bon. Ouais, on détecte pas, on débloque pas la suite. Ok, tant pis. Tiens, ce panneau m'a l'air intéressant. Je me demande bien ce qu'il y a écrit dessus. Je n'ai pas les amis Pikmin, donc dans tous les cas, je ne peux pas m'en servir. Bon, eh bien les amis, on va rester là pour cette vidéo de Pikmin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de vous abonner pour être au courant de la suite. Et de commenter, parce que je sais pas si je vais faire vraiment une série complète. Mais n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt, donc d'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine les amis. Salut! Sur notre petite étoile.